Hey, we're gonna search this area. See what we come up with. That was intense. You cool? Yeah. Let's go find that radio tower. Hey, maybe we can find something in that boat over there. Eh bien, salut les petits loukoums et bienvenue sur frappestesjeux.fr. On se retrouve pour le sixième chapitre de The Last of Us. C'est quoi ça, un crabe? C'était bizarre, cette chose. Et un chapitre qui ne sera pas scindé en deux vidéos si tout se passe bien, car il est un peu plus court que les précédents, mais tout aussi bon, vous allez voir. On va commencer tout de suite par aller fouiller ce bateau. Il peut y avoir des vivres ou des choses intéressantes dedans. Ah, on sait tous que sur les bateaux, généralement, on peut récupérer des bonnes petites choses. On est toujours avec Henry et Sam. Les gens qu'on a rencontrés dans le chapitre précédent. Et qui sont, ma foi, fort sympathiques. Alors, qu'avons-nous là-dedans? Well, it's a little bit different in the water. One step at a time. Tu as tout à fait raison. Pour l'instant, on doit chercher ce qu'il y a. Oh, une BD. I think I found another one of them comics you've been reading. Antiparticules. Alors, c'est le numéro 11. Livre 11, Antiparticules. Suite à une erreur de navigation, le Von Neumann se retrouve sur la couronne du Petite Étoile Blanche. Les dégâts sont importants et la tension monte entre les membres de l'équipage. Son système de camouflage détruit le vaisseau et il contraint à se cacher dans une pépinière stellaire voisine. Après son errance, la confiance de l'équipage en Daniela est ébranlée. Mais il faut agir vite, le temps et l'oxygène sont comptés. Eh, ça a l'air cool ces petites BD, n'empêche. Hein. Une nouvelle note sur le bateau, justement, ça tombe bien. Bon, je crois que j'ai évité le chaos et la destruction assez longtemps, mais mon séjour en mer arrive à son terme. Je suis à court de provisions et ce bateau a connu des jours meilleurs. Et puis, il fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre. L'heure est venue d'aller voir ce qu'il reste de l'humanité. Ça ne peut pas aller si mal, si? Si vous trouvez mon squelette... Non, ça ne peut pas... Oui, bah oui. C'est illogique, ça aurait été mieux d'écrire « ça ne peut pas aller si mal », non. Mais bon. Si vous trouvez mon squelette, merci de ne pas me marcher sur le crâne. Ish. Eh bien, Ish, je ne vois pas ton squelette, donc je pense que tu as réussi à fuir ce bateau. C'est bon, maintenant, on peut descendre. Eh bah, décidément, je suis vraiment une tête en l'air. Avant de quitter le bateau, pensez à fouiller les cales pour trouver un pendentif des lucioles appartenant à Josh Scheffler. Ah là là. Faudrait que je me mette un post-it sur le front, moi. Allez, on reprend la frappe Solus. Que c'est beau. Un château d'eau. Un mini château d'eau. Et un océan, ou une mer, tout du moins. Un océan, plutôt, vu qu'on est aux États-Unis. Il me semble pas qu'il y ait des mers. Hein, c'est entouré par l'océan Atlantique et Pacifique, les États-Unis. Si je suis bon en géo. Hein. Rien à récupérer, dommage. Can't go this way. En effet. For a second there, I thought you might shoot him. Yeah, almost did. They're all right. I think it's good to have him around. I think you're right. Bon, bah on va les rejoindre alors, parce qu'ici, ça mène nulle part. Yeah, it's a 60-foot yacht. Really? No. Sorry. Making progress. Eh oui, maintenant il fait des petites blagounettes. Que c'est mignon. Hey, Ellie! I think we found something. Let's go see what it is. Hey, I bet this goes all the way through. Give me a hand with this. All right, same time. Come on, let's do it. Damn. Ah, j'ai pas appuyé assez vite. All right, come on, kids, go. All right, here we go. All right, you go in. Okay. Hey, flashlights out. Sam, stay. Someone's finally learning. Ça
Ça donne un petit peu moins envie cet endroit. Hein. Les égouts, c'est pas trop mon kiff. Bon, avant d'aller plus loin, on pense à passer par ce petit passage. Passer par ce passage. Oui, très bien. Qu'avons-nous ? Alors, il y avait des lames, et par ici nous avons des pièces, ainsi qu'un pendentif des lucioles. Robert Righetti, un français italien. C'est pas mal. Joel, we should see what's over here. All right, we'll check this side out. On se sépare, d'accord. I'm not a fan of this place. Me neither. We ain't got much of a choice. J'ai exactement le même sentiment que ces deux-là, personnellement. Hein. Les égouts, ça m'inspire pas confiance. Oh ho! If you can get it open, I can crawl through and clear that door. Oh, yeesh. That is a big rat. Oh, elle a parlé en français. Des suppléments. Est-ce qu'il y a d'autres choses à récupérer? Oui, il y a un artefact. Do you think they'll join us all the way to Tommy's? Well, I don't know. We're just gonna have to see how everything pans out. Alors, on va essayer de le lire. Artefact, c'était note égout. Voilà. Je m'absente quelques mois et le monde part en couille. Il y a des infectés partout et des non-infectés qui essayent de vous descendre. L'humanité est de retour et l'état sauvage, les mecs. Je m'étonne d'avoir survécu aussi longtemps. Ces égouts ont l'air d'être sûrs, entrées et sorties limitées, donc plus faciles à défendre. Si quelqu'un approche, je peux le perdre dans le dédale de couloir. Je ne suis peut-être pas balèze, mais je suis rapide. Je vais simplement rester ici le temps que ça se décante là-haut. Devenir un homme top des égouts pendant quelques temps, souhaitez-moi bonne chance, Ish. Ah, encore notre pote de tout à l'heure. Je vais me faire un surin, tiens. Ça pourra m'être utile. Je vais peut-être améliorer le temps de confection, quand même. Pour l'instant, j'ai besoin de rien d'autre. Et 50 pièces, on les oublie pas, parce que 50 pièces, ça s'oublie vraiment pas. J'ai plus de munitions pour l'arc. D'accord, d'accord. Bon, rien à droite, c'est un cul-de-sac, donc on rejoint Henri et Sam. Hey, this way! C'est quoi cet endroit? Can we get out this way? Nah, there's no way to reach that. Well, I can't swim. That makes two of us. Mais c'est quoi ces mômes? À 14 ans, je savais nager quand même. How do we get across? I guess we gotta figure something out. Bon allez, on plonge. Hey, this thing's on some kind of track. Maybe there's a way we can use it. En effet, ça semble mobile. Look, a generator. Bon, on ira le débloquer après. Pour l'instant, on va plonger. Car il y a dans cette voiture... Voilà. Un pendentif des lucioles. Maintenant, c'est bon. On va pouvoir replonger à nouveau. Pour aller débloquer cette porte. Car vous allez voir, il y a un tuyau qui la bloque. Juste là. Henry, give it a shot. All right. Ugh.
Bon, on est passé de l'autre côté. On va voir ce qu'on peut y trouver. Tout d'abord, on passe ici. Et des rubans. Ça peut toujours être utile. Ensuite, on va grimper cette échelle. Oula. Visiblement, il y a des claqueurs. Donc c'est parti pour la discrétion, les amis. On va avancer lentement. Il y a deux claqueurs derrière cette porte. On va s'occuper que d'un seul d'entre eux. J'espère que ça va bien se passer. Que je ne vais pas faire de mouvement brusque sans faire exprès. Lui, c'est fait. Et le deuxième là-bas ne nous embêtera pas. Si on avance lentement, bien évidemment. Que c'est tendu, nom d'un chien. Un peu de santé, ça fait pas de mal. Un artefact et des explosifs. Note échange. Hier, j'ai rencontré des gens qui n'ont pas cherché à me descendre à vue. Étonnant, hein? On a échangé quelques provisions et fait connaissance. Ils avaient des enfants et semblaient terrorisés. J'ai failli leur parler de cet endroit, s'ils étaient comme les autres, et si... Oh, et puis merde, à quoi bon survivre si personne ne rit à vos mauvaises blagues? Demain, j'irai les trouver et je leur proposerai de se joindre à moi. Ish. Encore ce fameux ish. Allez, on recule. Et on va ressortir de cette pièce. Sans faire de bruit. Moi, je préfère économiser mon surin, qui me sera utile un peu plus tard. Il me semble. Donc je rappelle, faut pas mettre son joystick à fond vers l'avant, sinon, même accroupi, vous allez trop vite et il vous repère. Faut avancer très très lentement. Bon, là, normalement, c'est bon. Ah, on peut pas sauter, dommage. Je voulais sauter directement dans l'eau. Tant pis. On prend la palette. Et on va l'amener à Ellie, comme d'habitude. Dès qu'il y a de l'eau, de toute façon, il y a une palette quelque part, hein. Allez, grimpe. Let's go, Willie. Oh, there you go. That's smart. Oh, I can't wait to get out of this place. All right, see if that generator still got some juice. Pas très discret quand même, hein. Oula. Yeah, don't jinx this. Bon, si ne vous montez pas à temps, Henri vous aide à grimper par ici, normalement. Hein. Bon, j'ai récupéré les suppléments et surtout un outil de niveau 3. Ça tombe bien, on va croiser un établi dans pas longtemps. Sort of alarm. I don't hear anything. Someone used to live here. Don't look like that's the case anymore. Who's staying here? Someone who thought they could keep a place like this safe. Et ben notre ami Ish, il a fait du bon boulot quand même, hein. Sympathique comme campement. Même si moi, j'aimerais pas vivre dans des égouts. Une nouvelle arme. Le shorty. Voilà, qui est une sorte de fusée à pompe miniature, en fait.
et qui se met comme un pistolet. Une arme assez pratique. Juste ici, un manuel d'entraînement. Bombe améliorée. Calm down. Tiens. Hey Sam. Yeah. Same with the coat. Oh. Henry, did you see that? Let's keep it down, buddy. Okay. Yeah. Sorry. On va lire le manuel, c'était sur les bombes, il me semble. Manuel, non, ça c'était avant. C'était sur quoi alors? Corps à corps? Je ne sais plus, là j'ai un doute. À moins que c'était bien celui des bombes. Non, je pense que c'était celui des bombes. Donc maintenant les bombes ont un meilleur... une meilleure zone de dégâts, voilà. J'arrivais plus à parler, désolé. Je me sens un peu bizarre aujourd'hui, pourtant je suis bien réveillé, mais bon. Des suppléments. Du chiffon. Un ballon, mais on peut pas le prendre. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans les parages? Non, c'est bon, on a fait le tour. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Laissez-moi passer, j'ai dit. Laissez-moi passer. Ah, il me manque de l'alcool, dommage. Alors... je vais peut-être prendre mon autre pistolet. Ah. C'est beau. Chut, quiet. Donc là, reculez vite fait. Il y a des ennemis qui arrivent et surtout là-bas, il va y avoir un claqueur. C'est lui que je cherchais à éliminer en premier. Il est pas mort. Il faut combien de balles? Voilà. Lâche-moi. Lâche-moi. Il se débrouille très mal, mes compagnons, là. Voilà qui est fait. I guess we know what happened to these people. Seeing how there was a clicker that had been gone for a while. We keep moving forward. All we can do is hope there aren't any more of them. Doubtful, I know. J'en doute aussi, mon ami. Alors, rien ici. Ah, on dirait une espèce de buanderie. C'est marrant. Donc je pense que c'est ici qu'il vivait. Ah, je crois que c'était de l'alcool, mais non. Rien ici. Normalement, il y a un artefact à récupérer. Le voilà. Notre récupérateur de pluie. Décidément, aujourd'hui, c'est pas mon jour pour parler. Hein. Salut Suzanne, je voulais simplement te dire que ces récupérateurs de pluie étaient une super idée. Pouvoir avoir de l'eau sans avoir à se déplacer, c'est génial. J'espère que ça ne t'embêtera pas. J'ai donné aux enfants des pistolets à eau. Du coup, bien sûr, j'ai été trempé toute la journée. Si ça ne te plaît pas, dis-le-moi et je les reprendrai. On se voit ce soir au dîner. Attention, Kyle nous refait son pain de viande spécial Ish. Encore ce fameux Ish. Il aime bien écrire, ce mec. Oula. La dame a mal fini. Rien d'autre à prendre. Ils sont vraiment radins. En mode survivant, il n'y a que dalle. Mais bon, tant pis. Voilà le claqueur que j'ai descendu. Oh, il me donne des munitions. Merci beaucoup. Encore des pièces. Je prends tout. Et qu'avons-nous ici? Un cheval en bois. Qui vient de Chuku Toys, la boutique qu'on avait vue dans le chapitre précédent. Un monsieur, supplément et note. Piégé. On est piégé, je crois que tous les autres sont morts. Certains des petits sont avec moi. Désinfecté tape à la porte. Je ne sais pas combien de temps on va tenir. Si Ish et les autres sont en vie, ils pourront peut-être nous retrouver. S'il faut en arriver là, je ferai ça vite. Kyle. Jesus. Bon, une scène assez dure là quand même. Hein. On peut voir les enfants qui ont dû être tués par Kyle. Et Kyle a dû se tuer juste après, je pense. Hein, pour pas être dévoré par les infectés. C'est pas cool du tout. Des pièces.
On peut ressortir, il n'y a plus rien à voir. Je crois que j'ai raté l'établi. Non, c'est pas possible. Il doit être après alors. Hey, you think that leads out? Could be. It's too high for a boost. Ah oui, dommage. Bon, je vais quand même vérifier, hein, parce que ça me semble bizarre que je n'ai pas encore vu d'établi. Il me semblait que c'était avant, moi. Mais c'est peut-être moi qui ai craqué, hein, l'établi, il est peut-être après. Bon, bah, visiblement, il est après l'établi. Autant pour moi. Ah oui, l'établi, il est bien après, j'ai craqué, moi. Ah là 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 là. Yeah, I'm cool. That was me. I must have triggered some kind of safety gate or something. Henry, see if we can lift this. So, this is awkward. Yeah, I know. It's like every time... Clickers! No. What? Hey, this thing isn't budging, man. Just go, get out of here. Sam, you stay close to him. Henry, we gotta fucking move! You keep him safe! Go! Il y en a un bon paquet quand même, hein. They're gonna be fine. Yeah. Alright, come on, kid. See if we can find a way out of here, yeah? Okay. Did you see that? Stay behind me. If I run, you run. Yeah. Il faut vraiment se déplacer très lentement, il y a des infectés de partout. Et comme je veux éviter de gâcher des munitions, je vais essayer d'en déranger le moins possible. Bon, normalement, je connais le bon chemin pour passer sans souci. À quoi que non, parce que je n'ai plus de flèche. Dans l'entraînement, j'avais encore une flèche pour m'en sortir. Là, j'en ai plus. Ça va être plus compliqué. Alors on attend, normalement un infecté va arriver. Normalement, j'ai dit. Voilà, lui, on l'élimine discrètement. Vous pouvez en voir un dans le fond. D'ordinaire, je le tue à l'arc. Mais là, comme j'en ai pas, ça va être plus problématique. Sam, si tu me pousses encore une fois pendant que je suis en train d'étrangler quelqu'un, je te tue moi-même. Il est énervant, Sam, beaucoup plus qu'Ellie. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec son intelligence artificielle, mais elle est pas très développée. Alors, normalement, si vous avez l'arc, tirez-lui une flèche. Vraiment. C'est beaucoup plus sûr. Parce que là, je vais devoir descendre très, très, très lentement. Pour prendre aucun risque en tombant. Parce que, en y allant lentement, on se fait pas repérer. Par contre, si vous allez trop vite, on se fait repérer. Là, c'est bon. Je grimpe les escaliers. Ne vous affolez pas quand vous voyez votre personnage avancer beaucoup plus vite dans les escaliers. Pourquoi tu cries, toi? Mais sois plus discret, merde! Alors, je disais, ne vous affolez pas, hein, c'est juste un bug d'animation. Quand on monte les escaliers, le personnage va plus vite, mais il ne fait pas plus de bruit. Alors là, j'attends. Un infecté fait une ronde, et je vais devoir attendre qu'il passe pour arriver dans son dos et le suivre. La ronde peut être assez longue, donc il faut attendre. Oui, je sais, voilà. Avancez très lentement. Faut surtout pas se faire repérer. En plus, après, il y aura un claqueur avec lui qu'on va devoir éviter. Le claqueur est juste à droite. Alcool. Vraiment très très lentement. Ne vous précipitez pas. C'est bon, il ne m'a pas vu. Je vais avancer. Faites gaffe aux objets qui sont sur le chemin, qui peuvent vous faire repérer, hein, le petit train, les chaises, etc. Il y a un artefact à droite, mais je préfère me débarrasser du claqueur avant de m'en occuper. Car parfois, en ramassant l'artefact, on fait tomber une chaise et boum, on se fait repérer.
Hop, un coup de furin, et on n'en parle plus. Bon, il y a l'infecté en face, je vais attendre qu'il passe pour récupérer l'artefact. Ça serait bête de se faire repérer maintenant. Voilà. Ceci étant fait, on va essayer de le récupérer. Merci Sam d'avoir dégagé les chaises, au moins je me les prends pas. Dessin d'enfant, on peut le regarder. Danny Ish, nos protecteurs. J'attends pas trop longtemps, hein. Moi je veux vite aller en haut pour sortir de cette zone infestée d'infectés. Move it! Prenez votre temps les gars, c'est pas comme s'il y avait des infectés autour de vous, hein. There we go. Good job, kid. Allez maintenant on se casse vite, hein, on va pas les attendre. Joel, that's them! Sam! Oh, thank God. We gotta keep running. Over there. Over there. Sam! Ellie, get away from the door! Maybe if we push it together. Come on. Sam! He just crawled through! He what? Sam, what the hell are you doing? Getting us out of here. Well, hurry up then. All right, go. Pensez à prendre l'arme de mêlée. Let's go. Et barrez-vous. Ouh, un cocktail Molotov. Très bien, ça. Très pratique. Maintenant, il va falloir préparer la défense. Je construis un autre... Enfin, je confectionne plutôt. Here, give me a boost. I can get un autre cocktail. Grimpez les enfants, vite, faut qu'on se casse. Open it from the other side. Make it fast. Come on, Sam. You're not staying in here. What about you? I'll be fine. Come on, go. Get ready! Comment il s'est enflammé celui-là? Oh, trop cool! Il y en a d'autres qui arrivent, hein. Donc attention. Vite, la porte est ouverte, on se casse. Move. Go, go. Fresh air. Look at this. Oh, are you fucking kidding me? Thanks for the warning on the other side, guys. So where's this tower? We're close. Come on, let's go. Hey. How you doing, little man? That was a close one, huh? Yeah. Not one of our finest moments, but we made it out. Yeah. Ah, ça fait du bien de ressortir. Il fait beau, il y a plein de nature partout, et c'est beau à voir. Hey, look at that! Yup, what I tell you, huh? Let's find a way around to it. Jolie ville. What about you? How you holding up? Business as usual, right? When I was with Henry, I took out a couple of infected by myself. You'd be proud. Yeah. Alors, on va fouiller toutes les maisons, hein. On a que ça à faire dans une ville, de toute façon.
Petit portrait. Encore une fois, beaucoup de détails comme d'habitude. Intense back there, huh? Oh yeah. Totally. How did you two end up together? Oh, I... A friend of mine, Marlene, asked him to take me to the Fireflies. You seem to get along well. Yeah, well... Now I just boss him around. Isn't that right, Joel? Oui, tout à fait. Ah, j'aime bien voir ce genre de discussion, moi, dans les jeux. Ça rajoute de l'humanité à la chose. Qu'est-ce qu'il y a dans les sous-sols? Des poubelles? Génial. Ok, il n'y a rien du tout. Bon, on va aller à l'étage. Il y a beaucoup de dialogues dans cette ville à voir. Ça dépend des endroits qu'on visite, donc pensez bien à tout fouiller pour avoir tous les dialogues possibles. Salle de bain. D'habitude, il y a des choses dans les salles de bain. Maintenant, là, il n'y a qu'une baignoire et des WC. Ah, par contre, là... Note pillage. Une nouvelle nuit, de nouveaux tirs. J'ai pu voir les flashs à travers les vitres des Carson. J'ai veillé toute la nuit avec toute la famille dans la pièce. Je doute qu'ils aient réussi à dormir. Les pilleurs viendront bientôt visiter notre maison. Il faut qu'on parte d'ici. Cet homme tout maigre est encore venu nous voir. Il m'a encore échangé des balles contre un peu de notre nourriture. Il nous a proposé de le rejoindre dans son abri et dit que c'est un lieu sûr et surtout secret. Il le décrit comme facile à défendre et il m'a dit qu'il me fait confiance parce que j'ai des enfants. Je ne crois pas qu'on puisse rester ici plus longtemps. Il a l'air d'être honnête. Demain, je suggérerai à tout le monde d'accepter son offre, Kyle. Ah, donc c'est la famille qui a rejoint Ish. Well, that wasn't a good idea, no, was it? Et non, en effet, c'était pas une bonne idée vu comment ils ont fini. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Encore des chiffons, très très bien. J'aimerais avoir de l'alcool. Ah, peut-être que j'ai assez maintenant pour m'en refaire. Non, tant pis. Ah, par contre, je vais me faire la fumigène. Je vais même m'en faire deux, ça me sera très utile, vous verrez. Radio réveil. Donc c'est bon, on a fini de fouiller cette maison, on va pouvoir aller à la suivante. C'est très 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 joli. Hein. I have a gun. J'ai une arme. Eh ben dis donc. I was just five when the cordyceps hit. My memory's pretty hazy, but I remember living in a neighborhood just like this. What do you remember? Barbecues. Parents, they would throw these crazy big barbecues, invite a ton of people. You know, I remember the smell more than anything. Weird. Alors pensez bien à débloquer ce dialogue, il est important pour débloquer les dernières blagues d'Eli. Tout comme celui qui va arriver juste en face. We'll shoot on sight. Lots of friendly people lived here. First few months after the outbreak, they had a lot of looting. Everyone got paranoid. You remember any of that, Joel? Yeah, everyone barricaded themselves in their homes. And supplies started running low. That's when you saw what people are really capable of. Donc deuxième dialogue important à déverrouiller dans cette zone. Le troisième, il est près du camion de marchands de glace. You're gonna want to stay away from those. It's not like it is in the zone. These are wild. En effet, il y a des chiens là-bas. On va pas les approcher, hein. What is this? Oh. This is an ice cream truck. An ice cream truck? Yeah, Henry told me about these. They sell ice cream out of the truck. What? No way, Joel. That's true. This thing would drive around and play real loud, creepy music, and kids would come running out to buy ice cream. You're totally fucking with me. Mm-mm, serious. Man, you lived in a strange time. Told you so. Et voilà le fameux abri dont j'ai parlé en début de vidéo. Maintenant on a l'outil niveau 3, donc on peut améliorer pas mal d'armes. Je vais améliorer bien sûr le fusil à pompe, mon arme préférée. Voilà. L'arc,
Même si je n'ai plus de flèches. Peut-être un peu le shorty, ça serait bien quand même. J'améliore un petit peu à l'arrache, hein, j'avoue. Allez, vitesse de rechargement, c'est bon. On va continuer de fouiller les autres maisons. Bah tiens, je vais passer par là, il y a un escalier, c'est très bien. Profitez bien des détails, c'est très agréable à regarder. Tu te sens bien, Ellie? Pourquoi pas. Des petites piécettes. Rien là-dedans. On va monter à l'étage. Oh, j'adore la musique. Encore une note du père, cette fois-ci. Kara, en mon absence, tu es l'adulte de la maison. Prends soin de ton frère, il compte sur toi pour te protéger. Je ne pars que quelques jours pour trouver à manger et des fournitures. Si jamais je ne suis pas de retour au bout d'une semaine, emmène ton frère à la zone de quarantaine de Pittsburgh. N'ouvre à personne d'autre qu'à moi, économise tes balles. Si tu dois sortir, sois discrète et rapide. Profite de ta petite taille. A bientôt, papa. C'est pas joyeux, vraiment, hein. Salle de bain. Encore une fois, vide. La chambre, voyons voir. Vide aussi, apparemment. Ils sont vraiment très radins en mode survivant. Il n'y a rien du tout à récupérer. Pensez à regarder ce plafond. Je vais me mettre du beau côté, sinon la caméra va faire un effet bizarre. Shit! You alright? Yeah. Ceiling's falling apart. Watch yourself. You find anything? Here you go. Thank you. Arme de mêlée améliorée. Nouveau manuel d'entraînement, donc. Pour ça, il ne faut pas oublier de fouiller le... Comment ça s'appelle déjà? Le grenier, voilà. Longévité accrue des outils à lame. Technique d'utilisation. La durée de vie d'un outil à lame n'est pas seulement déterminée par sa longévité intrinsèque, mais également par la technique de son utilisateur. En règle générale, l'outil doit être utilisé sur la partie la plus tendre de la cible. Par exemple, une pioche doit être dirigée sur le sol, près d'un rocher, et utilisée pour soulever le rocher, pas sur le rocher lui-même. Utiliser la lame sur un plan régulier, toucher la cible en biais usera la lame. Si la lame se plante, appliquez une pression verticale progressive sur le plan de la coupure. Une pression latérale peut user les articulations ou entraîner la casse de la lame. Voilà un manuel très complet quand même, hein, comparé à ceux qu'on trouve d'habitude. On va faire un petit tour dans le jardin. C'est vraiment super beau à regarder, n'empêche. Un barbecue! Je prends ça. Rien dans la cuisine. Rien dans la salle de bain. Je vais monter à l'étage. Encore une note. Survivant. Une porte ouverte aura suffi. L'un d'entre nous a oublié de fermer une porte et une horde de ces monstres a pénétré le camp. On les a enfermés et on a laissé une note d'avertissement dehors. Suzanne et deux des enfants sont avec moi. Autant que je sache, nous sommes les seuls survivants. J'ai dû retenir Suzanne pour qu'elle n'y retourne pas. Pour les corps, c'est trop dangereux. Elle a perdu ses enfants et je ne sais pas quoi lui dire. Au fond de moi, j'ai envie d'abandonner. Ce serait si simple de se laisser aller, mais je ne peux pas. J'ai foi en l'humanité. Je sais qu'on peut encore faire le bien. On peut y arriver. Je dois être fort pour elle. Ish. Ah, manifestement, Ish est encore en vie. Il a réussi à s'en sortir. Une BD. Particule de messager. Et c'est la BD numéro 2, enfin!
Le premier test de saut hyperspatial de Daniela est une réussite, mais le contact avec le pilote d'essai est immédiatement perdu. 48 heures standard plus tard, il revient transformé et porteur d'un message « Nous sommes les voyageurs ». Dès qu'on aura la collection complète, on relira à nouveau chaque résumé. Nous avons le 3, il nous manque le 4 et le 5 normalement, voilà. On les aura plus tard. Un ordinateur, trop cool! Des explosifs, trop cool! Et un coffre-fort. Je n'ai pas la combinaison, mais je vais l'avoir tout de suite. On va au grenier. Pochette d'allumettes. 8, 21, 36. Et voilà, nous avons la combinaison. Si c'est pas beau ça. Eh, il y a moyen de dormir peinard ici quand même. Il y a même une chenille portative. Une flèche! Oh oui! Une flèche! Elle m'aurait été tellement utile tout à l'heure. Bon, tant pis. On va ouvrir le coffre-fort. Parce que qui dit coffre-fort dit. On va s'en mettre plein les poches. 10 suppléments, 50 pièces. Ça, c'est très très bon ça. Je vais peut-être retourner à l'établi du coup. Vu qu'il n'est pas très loin. Hey Sam? Yeah, okay. Alright, I'll go first. Oh. Damn it. Right, your turn. Okay. Just throw it. Yeah. Boosh. I am a natural. Luck. No, it wasn't. It was luck. All right, get out of here. You're getting cocky. Here we go. Fuck. Horrible. All right. It's a tie. No. You clearly got destroyed. How did I clearly get destroyed? That's practically a tie. Yeah, okay. Petite scénette amusante. Will come a day where kids can just be kids again. Let's go. Joel est très très mauvais, dis donc. Encore des suppléments, décidément, il y a la dose. Hein. Faut peut-être que je pense à m'améliorer quand même. Hein. Tiens, santé maximale. Cool ça. J'ai une barre de vie en plus. Bon, allez, je retourne à l'établi vite fait. J'ai récupéré pas mal de pièces, donc bon, autant les utiliser. All right, let's see what we got. Là, c'est vraiment le moment où on peut se poser, le calme avant la tempête, ou entre deux tempêtes plutôt. Je vais améliorer quoi? Je ne sais pas trop. Le petit pistolet, tiens. J'ai quand même pas mal de munitions. That'll do nicely. On va descendre la rue pour débloquer le dernier dialogue et avoir les blagues d'Ellie. Et oui, les dernières blagues d'Ellie qui vous font débloquer en plus un trophée et une médaille dans le jeu. Fireflies were here. Yeah, by the looks of it. How are we gonna find them? I know a guy. A brother, actually. He was a Firefly. Last I heard, he was in Wyoming. We get there, we find him, we find the Fireflies. What do you say, you in? Sounds like a good plan, man. C'était le dernier dialogue à déverrouiller. Maintenant, on attend un peu et Ellie va sortir son fameux livre. Okay, you guys are killing me with your downer talk. It's joke book time. What is that? Just bear with me. You want to hear a joke about pizza? Never mind, it was too cheesy. I don't get it. Yeah, me neither. What did the green grape say to the purple grape? Breathe, you idiot! That's so stupid. All right, I got a joke for you. Let's hear it. Why can't your nose be 12 inches long? I don't know, why? Because then it would be a foot. That is so dumb. I love it. $500 quand même la médaille, hein. C'est pas rien. Donc ça vaut le coup de traînasser pour voir tous ces petits dialogues.
Alors, je prends ma brique. Et vous le voyez peut-être pas, mais il y a... Voilà, un pendentif des lucioles à récupérer sur la branche. Faut le voir quand même, hein. Matthew White. Il n'y a pas plus américain. Je reprends une autre brique. Ça peut toujours être utile. Maintenant, c'est bon, on a fait tout le tour de la ville, on a vu les dialogues, on a ramassé tout ce qu'il y avait à ramasser. On peut sortir et continuer notre chemin. Pour ce faire, il faut aller dehors, passer par le jardin. Et il y a une petite ouverture. Oh ! Passe la tondeuse. Non, je déconne. Allez, on saute ! Get out ! Fucking sniper. Did you see where it came from? Somewhere down the street. Right now. Y'all stay here. No! Before you start, I need you guys to keep him busy. I'm gonna go around and see if I can't get the angle on him. Okay. Hey. Be careful. Bon, c'est ici que les fumigènes vont être très utiles. Il y a un sniper au bout de la rue, il va falloir l'atteindre. Et donc il faut courir entre deux coups de feu. Là, voilà. Courez. Et on peut se mettre à l'abri ici. On va attendre qu'il retire pour aller à l'abri en face. Alors il y a pas mal de chemins possibles. Le problème c'est que des ennemis arrivent sur vous vers la mi-parcours. Et ces ennemis peuvent être très ennuyants selon l'endroit par où on passe. Si vous passez tout à gauche derrière la maison, l'endroit est très étroit. Donc tous les ennemis convergent vers vous et vous faites des montées. À droite c'est à peu près pareil. Hop. Ah, il m'a touché. Bon, ici, si vous voulez pas vous faire toucher comme moi, le meilleur à faire c'est de balancer une fumigène. Car le chemin en fait est trop long et on se prend quasiment à chaque fois une balle en courant. Mais bon, là j'avais pas mal de vie donc je me le suis permis. Je vais attendre qu'il tire à nouveau pour passer derrière cette voiture. Et on ne peut pas avoir le sniper à distance, n'essayez pas, ça ne sert à rien. You crying behind that car? Faut vraiment être sur le qui-vive. Voilà, hop, on se déplace ici. Là, ça va être plus difficile. Go back to where you fucking came from. Ouf, c'était juste quand même. Allez, retire un petit coup. You crying behind that car? Alors là, dès que je vais me mettre à couvert. Derrière cette planche, les ennemis vont arriver et je me casserai par la gauche. Vous allez voir pourquoi. I still fucking see you. Là, c'est le moment de partir. Les ennemis ont donc popé au milieu. Moi, je me casse à gauche. Et ici, vous balancez une fumigène là-dessus et d'autres dans la rue. Si vous balancez pas de fumigène, le temps que vous grimpiez la barrière, il vous repère, le sniper, et il vous tue. Vous occupez pas des ennemis qui sont dans la rue, foncez, 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 foncez. Car le plus important, c'est d'avoir le sniper. Oh la vache! C'était pas prévu qu'il soit aussi près. Allez, on grimpe, on grimpe, on grimpe! Je crois qu'il faut aller par là. Et c'est parti pour du shoot. Alors, ne vous prenez pas la tête à essayer de les avoir en headshot. Peu importe l'endroit touché, il meurt. Vous pouvez zoomer en appuyant sur X, ce qui peut être assez pratique. Et il ne faut surtout pas que les ennemis atteignent les enfants. S'il atteint Henri, c'est bon, il peut s'en sortir. Par contre, s'il atteint un des enfants, game over. Tiens, toi, prends ça. Toi aussi. Regardez par où tire Henri, ça aide à trouver où sont les ennemis, en fait. Là, il tire à gauche, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont arriver par la gauche. Voilà.
Il y en a là-bas derrière l'arbre. C'est fait. Donc c'est pas trop difficile. Faut bien prendre son temps parce que un tir raté, ça fait perdre beaucoup plus de temps que de prendre son temps pour essayer d'avoir un ennemi. Tiens, dans les fesses. Où sont les autres? Ouh la vache, ça c'est pas bon signe. Je me débrouille bien là, je suis content. Où sont les autres? Ah, je l'ai raté. Alors là, ça va être plus compliqué. Le premier, on peut pas l'avoir. Dès qu'il va retirer un autre cocktail Molotov, il faut essayer de le shooter. On a droit à 4 essais maximum, sinon après, nos amis meurent. Et voilà. Shit. Oh, that was intense. You all right, Sam? Yeah, I'm okay. Thanks, Joel. Look at this. Oh, all right. We did it. We should move. All right. Sam! Bon, c'était pas bien important de les avoir ou non, hein. En plus, je vise mais comme une quiche. En même temps, moi, à la manette, hein, je suis plus spécialiste à la base. Oh non. Il y en a encore d'autres qui arrivent. Anybody hurt? Uh-oh. No, we're good. I think it's time we quit this place. Come on. Let's go. Shut the hell up. Dead serious. It's Tommy's birthday, and that's all he wanted to do is just... rent two Harleys and drive cross country. Oh, man. I could die happy if I could just ride one around the block. What was it like? It was good. It was real good. Good? Can you believe this guy? Come on, man, give me details. Describe it. You know what? You two deserve a little privacy. No, Ellie. This isn't just any regular motorcycle, okay? You get on that bad boy, you feel that engine? Nothing like it. Oh, yeah? How would you know? Seen it in my dreams. Okay. I don't think anyone from my group is gonna show up. Yeah. Worst part about it all... explaining it to Sam. Well, I
It's safe to say those two have officially bonded. What are you doing? Taking stock of all the food we found today. I see. And how are we doing on canned peaches? Did Henry send you? No. Why would Henry send me? To make sure I'm not fucking up somehow. I'd say we all did pretty good back there. Especially you. Is everything all right? Yeah, everything's fine. Okay. Well, have a good night. How is it that you're never scared? Who says that I'm not? What are you scared of? Let's see. Scorpions are pretty creepy. Being by myself. I'm scared of ending up alone. What about you? Those things out there. What if the people are still inside? What if they're trapped in there without any control of their body? I'm scared of that happening to me. Okay. First of all, we're a team now. Okay, we're gonna help each other out. And second, they might still look like people, but that person is not in there anymore. Henry says that they've moved on. That they're with their families, like in heaven. Do you think that's true? I go back and forth. I mean, I'd like to believe it. But you don't. I guess not. Yeah, me neither. Oh, all the serious talk. I almost forgot. There. If he doesn't know about it, he can't take it away. All right, I'm pooped. I'll see you tomorrow. That smells good. Good morning. Where's Sam? I let him sleep in for once. Oh. Well, if you want him to join us, you can go wake his ass up. Okay. Sam? Sam! What the hell? Shit, he's turning! That's my fucking brother! Screw it! Shit! Really? Gotta go, you're right. Oh my god. Sam? Oh no. Sam? Henry? Henry, stay there. Henry? What have you done? I'm gonna get that gun from you, okay? Oh, okay, easy. It's your fault. This is nobody's fault, Henry. It's all your fault! Henry! Henry, no! Thank you.
County. Means we're close to Jackson City, right? Should be more than a few miles. You ready to see dear old brother? I'm just ready to get there. You nervous? I don't know what I'm feeling. Et on va s'arrêter ici après cette séquence assez forte en émotion. Henry et Sam, les seuls deux mecs qu'on rencontre qui sont sympas, qui restent humains. Il leur arrive malheur, donc Sam a été mordu. Et du coup, bah, Henry ne supportant pas d'avoir tué son frère et de vivre sans lui, s'est donné la mort lui aussi. C'est assez lourd quand même. Bon, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Bon, j'ai l'impression d'avoir mal commenté ou d'avoir un petit peu galéré, je m'en excuse si c'est le cas. Mais en même temps, là, vous le verrez peut-être pas, mais j'ai dû recommencer une séquence facilement 20 fois. Parce que je jouais mal, tout simplement. Allez, moi je vous fais des gros bisous les amis, comme d'habitude partagez cette vidéo si elle vous a plu, et même cette frappe Solus, n'hésitez pas à proposer les votes sur frappestjeux.fr et à venir faire un petit tour pour voir d'autres vidéos sur frappestjeux.fr. Je vous fais des gros bisous, puis portez-vous bien, allez, ciao à tous.